Chers frères et sœurs, soyez tous les bienvenus parmi nous ce matin dans le nom du Dieu de Naomi. L'église que vous visitez ce matin, c'est l'église de Patmos, Dieu donné, de Côte d'Ivoire. On peut se poser la question encore, quelle est cette église? Mais chers frères et sœurs, c'est l'église de toutes les églises. L'église de Patmos, Dieu donné, de Côte d'Ivoire est la mère de toutes les églises qui existent sur la planète Terre. Nous vous disons cela parce que ici, tous les travaux effectués par le Dieu créateur du ciel et de la terre, en commençant par Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, jusqu'au temps du Seigneur Jésus-Christ, tous ces travaux que Dieu a effectués sur la planète Terre, tous ces travaux sont tous réunis ici à l'église de Patmos de Donné de Côte d'Ivoire. Et les hommes que Dieu a choisis, tous ces hommes, tous les travaux qu'ils ont effectués, tous ces travaux sont également installés ici à l'église des Patmos de Donné de Côte d'Ivoire. C'est pour cela que, quelle que soit la religion dont vous provenez, vous trouverez toujours une solution à votre problème ici. L'église des Patmos de Donné de Côte d'Ivoire est la mère de toutes les églises parce que, retenez ceci, en son temps, Dieu a détruit tous les êtres vivants sur la planète Terre. Et lorsque Dieu a pris cette décision, il a choisi une personne pour annoncer ce fait-là. Il a choisi Noé. Et Noé a annoncé au monde entier que Dieu devait détruire tous les êtres vivants. Les hommes n'ont pas cru, mais Dieu a exécuté son plan. À notre époque encore, cette fois-ci, Dieu a décidé de détruire tout le monde entier. Toutes les planètes que vous connaissez, tout sera détruit. Alors, Dieu a choisi quelqu'un comme Noé pour annoncer encore cette nouvelle. Cette personne, elle est là, c'est une dame. Lorsque Dieu a voulu sauver les enfants d'Israël qui étaient en esclavage en Égypte, il a choisi une personne pour aller les sauver de la gueule de Pharaon. Cette personne, c'était Moïse. Et Moïse, pour conduire les enfants de Dieu, Moïse communiquait avec Dieu pour qu'il puisse guider les enfants d'Israël qui étaient en esclavage d'Égypte pour aller à Canaan. Encore à notre temps, Dieu a encore choisi une personne, une dame, pour conduire encore les enfants de Dieu. Cette fois-ci, ce n'est pas sur un point A à un point B de la terre, mais c'est sur la terre ici jusqu'à la nouvelle Jérusalem, jusqu'au paradis. Donc Dieu a encore choisi une autre personne comme Moïse. En son temps encore, le Seigneur Jésus-Christ
Dieu lui-même s'est fait chair. Il a habité au milieu des hommes en Israël. Vous le connaissez tous. Dieu est encore venu. Il est encore descendu encore sur la planète Terre. Il habite encore à l'église de Patmos, Dieu donné de Côte d'Ivoire. Voici pourquoi je vous dis que l'église de Patmos, Dieu donné de Côte d'Ivoire, est la mère de toutes les églises. Alors, quelle est cette dame que Dieu a choisie pour annoncer au monde entier que le monde est fini et que les chrétiens qui appartiennent à Prome s'approchent d'elle pour qu'elle puisse les diriger de la terre jusqu'à la nouvelle Jérusalem? Quelle est cette dame que Dieu a choisie? En qui Dieu communique directement comme en son temps avec le prophète Moïse? Cette dame, chers frères et sœurs, c'est une de nos mamans qui a eu 11 enfants, qui était allée à Sassandra avec son mari pour faire plantation. Elle n'a jamais pensé un jour faire le travail de Dieu comme Moïse en son temps. Mais Dieu, personne ne peut aller contre la volonté de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, un dimanche comme aujourd'hui, notre maman, elle va recevoir la visite du très puissant Dieu. Alors, au cours de la prédication, notre maman, elle a entendu une voix. Maman dit Alléluia. Notre maman n'a pas voulu dire Alléluia. Parce qu'elle estimait qu'elle n'était pas la personne la mieux indiquée pour dire Alléluia, chers frères et sœurs. Une fois, deux fois, trois fois, elle refusait toujours de dire Alléluia. Alors, souvenez-vous au temps de Moïse. Dieu s'est adressé à Moïse à travers un buisson ardent. Alors, le moment, Dieu va s'adresser à elle. Alors, la voix qui lui intimait lors de dire Alléluia. Cette voix va se transformer en une très forte lumière provenant depuis l'autel de prédication. Et cette lumière pénétra profondément notre maman et notre maman, elle est tombée. Et lorsqu'elle est tombée, chers frères et sœurs, Alléluia qu'elle n'a pas voulu dire, elle a commencé à dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et notre maman, elle a eu très peur. Elle a commencé à se poser mille et une questions. Qu'ai-je fait à Dieu pour qu'aujourd'hui je puisse tomber ainsi dans le temple? Et lorsqu'elle allait se coucher, dans la nuit, les anges de l'Éternel sont venus vers elle pour lui dire, « Maman, est-ce que tu connais Moïse ?» Elle dit non. « Est-ce que tu connais Noé ?» Elle dit non. « Est-ce que tu connais Isaïe ?» Elle dit non. Mais j'ai entendu parler d'eux à travers la Bible. Alors les anges de l'Éternel vont dire à notre maman, « Maman, n'aie pas peur. Aujourd'hui, ce n'est pas Satan qui t'a fait tomber dans le temple. Non, bien que non. Mais c'est le Dieu qui a établi tous les hommes de Dieu que j'ai cités tout à l'heure. C'est lui qui t'a fait tomber aujourd'hui dans le temple. Parce qu'il a une mission à te confier. C'est la mission que j'ai dit tout à l'heure. C'est d'annoncer au monde entier que le monde est fini. Et que les chrétiens qui appartiennent en propre à Dieu s'approchent d'elle pour qu'elle puisse les conduire de la terre jusqu'à la nouvelle Jérusalem. Et pour qu'elle puisse mener à bien sa mission, Dieu a établi une communication directe depuis le ciel jusqu'à elle. Notre maman, elle parle avec Dieu, chers frères et sœurs. Elle communique avec Dieu, elle dialogue avec Dieu. Ce n'est pas un songe, ce n'est pas un rêve. Ce matin, je suis en train de vous parler, vous m'entendez. Vous aussi, si vous parlez, je vais certainement vous entendre. C'est de cette manière que notre maman, elle communique avec le Dieu des enfants de l'âge. Cela fait plus de 43 ans. Et notre maman, chers frères et sœurs, aujourd'hui, si Satan ne peut rien contre nous ici, c'est grâce à cette dame-là. Si aujourd'hui nous avons la paix intérieure, c'est grâce à cette dame. Et cette dame, c'est la prophétesse Yao Aya Naomi, je veux dire qu'on puisse ovationner très très fort. Alors, chers frères et sœurs, chers étrangers, la prophétesse Yao Aya Naomi constitue la Noé des temps modernes. Non, restez toujours debout les étrangers. Elle constitue également Moïse des temps modernes. Alors, soyez les bienvenus. Tout à l'heure, je vous ai dit que Dieu aussi est également descendu. Il est dans le peuple de Patmos, Dieu donné de Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, en Israël, la Vierge Marie a mis au monde le Seigneur Jésus-Christ. 33 ans après, il a été arrêté, crucifié. Après la résurrection, il a encore fait 40 jours sur la terre avec ses disciples. Et au 40e jour, il est monté au ciel. Et il a laissé un message à travers l'humanité en disant ceci à ses disciples. Je pars maintenant au Père, vous préparez une demeure. Et lorsque j'aurai fini de préparer vos demeures, je reviendrai vous chercher. C'est à juste titre que partout dans le monde entier, on clame que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Chers frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, il faudrait que vous changiez de langage. On ne dit plus le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Non, c'est du has been, c'est du passé.
désormais, on dit que le Seigneur Jésus-Christ est là. Il est dans le peuple de Patmos, Dieudonné, de Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, le monsieur vêtu de tout blanc qui est assis en face de vous, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est lui le lion de la tribu de Juda. C'est lui l'étoile brillante du matin. C'est ce grand monsieur, ce grand tête qui a ressuscité Lazare. C'est lui qui est assis en face de vous, chers frères et sœurs. Je sais qu'il n'est pas facile de reconnaître les choses de Dieu en un clin d'œil. Non. Vous vous posez toutes les questions possibles. Pourquoi est-ce qu'il est noir? Pourquoi est-ce qu'il est ceci? Mais, chers frères et sœurs, en toute honnêteté, je vous le dis, c'est Dieu qui est assis en face de vous. Donc, nous allons demander la clémence du Dieu des enfants d'Israël d'avoir pitié de vous, comme il a eu pitié de nous tous qui sommes ici, sans exception. De vous faire grâce également, comme il a fait grâce à tous ceux qui sont ici, d'ouvrir vos yeux, pour que vous aussi, à vos tours, vous puissiez voir toutes les grandeurs spirituelles qui sont dans ce lieu. Que votre séjour parmi nous ici soit les meilleurs de votre vie, dans le nom du Dieu de Naomi. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Sien ma lika oto di. Blain oti esen kulien. Ima uli tjeni. Idu manu ma iso.
Dieu va être les gars en fait. Pourquoi les gars en fait? Dieu va être les gars en fait. Continuons à se faire ça. Comment dire? Dans mon fond, tu vois, il y aura un monde, un monde, il y a un monde. On m'a envoyé, on m'a envoyé. On m'a envoyé, on m'a envoyé, on m'a envoyé. Mansour a l'écran, Mansour. Amen. Mansour a l'écran, Mansour. Amen. Mansour a l'écran, Mansour. Amen. Magnanime, il y aura un Mansour. Amen. Patmos. Mansour a l'écran, Mansour. Amen. Un démoni qui a mis à voir. Un démoni qui a mis à voir. Un démoni dans la chose, il a la loi de la vie. C'est que c'est un bon ami à voir. J'aime déjà soit moi ou le menu, moi, Ambawa, n'allez que quoi, Mbekundele. Ngwali ke ambe kundele no ngwani amube kundele e amba ngwamba ambe kundele wansanu amba ngwan ikundele nyamie prisano amen ngwan nyamie isanu yowo sotike anangama ngwan O blu ni gembe sano e blu loya amuko Senka musike anangama ngwan nyamie sano yo wo itie moneche amuru nyamie so adanio mansura le tramoso kusuma ense amkenya likeba o nyamie kulimbo sano bo numa klosana sano mo nyamie bo sano yo yo ma amusike ikundele kusuma inyale kusuma bife bi nyeyo amen isonti se amufe Se amu sunya miena amu fe oti suke amu fe afin di ki ngabi fleke ngwan oti alike mo oti dike kan oti dike mo oti dike dan o le ma unsu di kavie fi asien soa o fata ke amu fia unfle amu fe na like so ko so man amu sa waken like ngoti pain ye bi fe union ikun lele no bi fe eun Ils sont petits pattes, moi, sous fouet, moi. Non, moi, ça, c'est boubou à moi. Il y a une nous, il y a yéko. Il y a quoi, il y a si. Il y a une nous, il y a yéko. Il y a maman Sikenia, il y a un antidon. Il y a maman Sikenia, il y a soit du. Sans vie, moi, n'antide, il peut boler, moi. Il y a des fabriques, mais moi, pattes, moi, sous nous. Bon, que dit, bebo, Patmos du man, ibo. C'est Patmos, on va dire, afoué à blanc, bien dit, afoué à blanc. C'est Patmos, on va dire, afoué à blanc, bien dit, afoué à blanc, bien dit, n'y a plus. Qu'est-ce qu'il y a dans tes coins? Ben, à bobet, n'y a mis rien. Ben, ou lou, y a nous. Y a une vie sans nous, y a quoi? Il tient sans vie, moi, bien dit, bien afoué, non, Patmos, non. Sans vie, moi, bien dit, afoué, sans. Patmos nou. Sran vie moi badi afwe blue Patmos nou. Sran vie me kusuma an de dia bawa. Iklason. Ye kwa ye se ko. Afi mbobi mba mu fale ke ye ko. Donc asun ga enjoy asim bosu wa yenwo. Ambo nga mgo amu fale tie nwa. Juma die Amboboy, amu tinglete, mini naomi, ye oleo. Puke olivu nyon, amu dumansutia, be oleo. Ye olivu nyon, soti be loto. Amuske bato,
bateau. Sorti l'auto, sorti avion, sorti bateau. Ngabon ya olivu nyomoui. Bien mou yabe kondi. Kaye kondi mou ye koy. Ibobole nou yen kene, ibobole nou, sans yembe fouli. Sen kaye dwe ou nou lor, sans yembe fouye kou. Kaye koye ou nou vye me fou. Be kouan alen, be ou l'auto mou nou vye. Sen kaye, abobo ngamawa fiyan l'auto mou nou wadjarama. Na akal l'auto nou yen. Sans yese, se ye djouy. Mini na oumi ye djouy. Sans abobo ngamawa l'auto mou nou, sans yese, sans adjouye. Et c'est ça que nous avons fait. Nous avons travaillé à finir mes plis. Nous avons fini la foule. Nous avons fait un dé. Et tu m'as dit, Oyoli, Yatiti. Je suis fille à Popo. Quand Abraham, Moïse, Jacob, Noé, Jean, Mathieu, moi, à côté de moi, je suis en train de faire. Nous avons fait un dé. À côté de moi, je suis en train de faire un dé. Je suis en train de faire un dé. Je suis en train de faire un bia bwa beli ke fi bia sia ke nyam mie kpli ina wle ni obesa no be ye be fifi be wanzo ke ande be si ya mu fifi be si ya mu wanzo yen sa nyam mie ninge be wle mu ne oyo ya afina sie so ali ke o fin glolo o ba sie so a asie so ali mu I wle mu le oya ya te ngo fi nyam mie so lo nglolo cho ko ba sie so a I wle mu le oyo ya tre a wesu klosra mu am jran kekli. Sakatisa nga am jira kekle yele ke am gamwa sieso am vie fils ya nyami kpli san vie fin ma sera so mo sinyami nyo kanze ya ko so nyami ndem asili asia nyami kanze ma sere nyami wa ma se fin jeme so gwa nyami kpli asime san vie fin ma sera so mo sinyami nyo mo kwa si we no se ke mbami nyen sinyami kpli na mi kpli ti sa no nyami o yo se blekwa ma nyame kpimba oyo sai ofusra menu titi ambobo nga ba mugwae nya amu nyame nga masudele fa du afra ablana e o ayo savie ambobo nga mugwae am tik am buya kuna sa am musa muke ye bobo nyame nga isuye nga oyele o kakel nyame kpli san fi sime liki nga mambuya kuna ke okla yo idio yo ye cho yo ofwa munu titi afia musuzule ojwanu am ngrole kwa juanu nyamie ninge mu sanya mbomi ngai njokri am ye ye unka amu ye amu mbomi ngrele nika bobo fanga am bobo am fa mu fanga am fa unyamie ninge mbe wre me avieli ye o klike linya ma ba mania milien be fale un pa mbomi ma be fale mi fa beo na be be fa mi o mbake ma fa amu tre na bobo am fa mi o nga nklo ye fa nga nklo me injile mbasra me nu pale mba mbobo nga mugoye amukrusa ile nya so tike minya mi klinga injoye mba mbobo nga amukrusa ile unsu yatre nkoi afia mli nga mkluni ole amwa yatre nzute bali mo yatre nzute wonti krisi mo yatre yatre nyuzu amuli atre miamu unsa bisam ka tre miamu mi bom nyame kuli atre miami okuke di amboba nkose amkose amupen amu amwa kwa amuse amu president ke anti president kleke anti president kleke yo obo nga we ye anti president bo kle kleke anti president oklem fa sanse ka bwa ko ya do robo fa son robo timba asie so ti president asie ko ti president o klo fa se bo o klo fa se na asike lo ti president ke bo na ti kon ke ibo bo on na ti kosa asike o ti president mbo bi nga injo kle am ye mi na ti le mbo ke na ti kon nti famie ya famie mbo boy so tu tikle ikle mo so tu yilo famie bo ko ikle bo yilo so na tiko asike famie ko le me
mansour à l'être mosso. Ngamok l'osrambe ou me oule, dile kenya, ma bak, esrambe ye ye mi bo. Masak, esrambe bunda, oh, bon arrivé. Non. Non. Mi. Sran ye yami. Nia, minga enjoye, ken tu n'y a encore ça, en zoom de koto sa fin, à mon bintia. Quel tout diacon? Croissant de ce mouissoy, moi, monsieur Daumier. Croissant, moi, au moins, c'est tout mon oui. Cambo Jassi, à mon clébé, be à mon fifi, be à mon oiseau, be si à que, n'y a mieux plus, bon, il y a une grouille à si yango à vous annuler. Be pour que n'y a mieux, on le caoufle, be quoi qu'on fa, be sui, be n'y a quoi. Cousement, c'est be caillou. Quand il y a Christ qui au Côte d'Ivoire, nous sommes en train de on y a nous sommes en train de Côte d'Ivoire, nous sommes en train de faire des choses. 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 Nous sommes en train de faire vous tous, tous les humains, vous êtes aveugles. Vous avez des yeux pour ne pas voir. Des aveugles comme ça. Mon Dieu, je viens sur terre. Vous me regardez comme ça. C'est Satan qui est là. C'est vous-même Satan. En nous de qui est Satan? Moi. Satan, moi. Mais tu vas appeler Satan. Lequel nom tu vas donner à Satan? Si toi tu m'appelles Satan, et Satan tu vas l'appeler, comment? C'est que toi Satan est ton Dieu? Parce que si tu m'appelles Satan, je ne suis pas Satan. Mais si tu me considères Satan, maintenant Satan lui-même tu vas le considérer. Mais est-ce que tu vas mettre Dieu et puis Satan dans la même peau? Les humains peuvent ne pas croire. Ce n'est pas là le grand débat. On va débattre ça à la fin de tous les temps. Actuellement, tout le monde peut dire ce qu'il veut. C'est comme on vous a donné une dissertation à faire. Tout le monde. Disserter. Après, là, on va corriger les feuilles. On va corriger. Église. Que vous faites là? C'est comme on va à l'école. C'est une composition. Vous composez. Les feuilles seront corrigées à la fin. Priez Dieu que vos dissertations là soient bien faites. Que vous ayez de bonnes notes. Sinon, vous allez pleurer comme des gens qui ont échoué au bac. Qui ont fait au moins 10 fois, qui ont échoué. Et pour eux même mieux, parce qu'ils peuvent reprendre la 11e fois. Mais là où je vous parle, là, si ton dossier, ta feuille a été mal corrigée, que tu es recalé, il n'y a pas de recomposition. Ton sort là est scellé. Où tu dois partir là, c'est à l'enfer. Donc, en matière de Dieu, Dieu, c'est délicat. On ne joue pas avec. On peut plaisanter avec tout sur la terre. Même quand vous partez au travail, vous pouvez plaisanter avec le travail que vous faites. On peut vous renvoyer. Mais vous pouvez avoir un autre travail à faire. Mais quand on va sur le plan de Dieu, on ne plaisante plus, on ne joue plus avec ta vie. Parce qu'il est question de vie ou de mort. Donc on ne plaisante pas, on n'est pas là pour plaisanter. Je vous enseigne, je ris, je plaisante, je dis un peu de tout. Mais l'essentiel qu'il y a dedans,
c'est la vie éternelle. Que vous ne plaisantiez pas avec la vie éternelle. Allah, non. Soyez sévère envers vous-même. Très sévère. En toutes choses, en matière de Dieu. Revisez vos comportements. Et sachez où vous mettiez vos pieds. Ne marchez pas à l'aveuglette. Mais sachez ce que vous êtes venu chercher dans le peuple de Patmos, Dieu donné de Côte d'Ivoire. Sinon, le regret sera terrible. Que Dieu vous bénisse. Mansour à l'être à Moussou. M'en voici l'être à Moussou. Patmosou Bamou. Mansour à l'être à Moussou. Ni amou la fin yamiensou. Ni amou gamougoye. Amou yamtin yamielienio. Ni amou famoussou. Amou siye toa toa mbibo. Ngani gani kangan abigwale. Namou niabe. Ngale moui. Mais quoi les cafés? Un problème, c'est que les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Moi, je suis un tonneau plein. Je ne fais pas assez de bruit. Et quand je bouge, tu sais que je suis plein. Parce que je suis lourd, difficilement, sûrement. On va arriver. On s'en va au ciel. Le travail que vous effectuez avec la prophétesse Naomi et à côté le Seigneur Jésus-Christ. Quand on dit que le Seigneur Jésus-Christ est en Côte d'Ivoire, voici le Seigneur Jésus-Christ qui est assis là, c'est scandaleux. Ça traumatise. Mais ça va vous traumatiser. Tu ne connais pas Dieu. Tu viens de rentrer dans le peuple de Patmos. On te dit voilà le Seigneur Jésus-Christ qui est assis là. C'est un noir. On ne te défend pas, tu n'es pas. Réfléchis. Mais en réfléchissant, fais tes intentions pour ne pas offenser Dieu. Parce que là, ça sera dangereux, mortel pour toi. Ici, tous, nous savons que quand on dit Dieu, Dieu, ce n'est pas un être humain. Un être humain ne peut pas se prétendre être Dieu. Tout le monde qui ne le sait pas ici. Femme comme garçon, on le sait. Mais je m'adresse à vous, les étrangers, là. Mais quand vous veniez quelque part où c'est le seul coin, le seul lieu, la seule église dans laquelle on vient et on vous adresse, on s'adresse à vous comme ça, c'est unique, c'est fini. Si vous voulez, promenez-vous dans le monde entier, vous n'aurez plus ça. Vous n'allez plus voir ça. Vous n'allez plus entendre parler de ça. Et comme ça, de Dieu comme ça. C'est unique. Et ça restera unique. Dis que voici Dieu qui est là. Et quand vous tournez la face, vous voyez une personne comme vous, noire, et on vous dit que c'est Dieu qui est là. Vous pensez que c'est facile à croire? Sans cela, je dis que c'est une équation à plusieurs inconnus qu'il faut résoudre. Et Dieu, il a été toujours comme ça. C'est ce que les hommes de Dieu d'aujourd'hui ignorent. Les gens pensent que Dieu est facile à comprendre. Dieu est facile à accepter, à comprendre. Non. Lisez la Bible. Essayez d'analyser. Vous allez comprendre quelque chose. Il y a quelque chose dans la Bible que si vous lisez, vous allez comprendre. Que Dieu n'est pas facile à reconnaître. Très difficile. Et donc, faites très attention, les étrangers. Attention. Que vos cœurs restent tranquilles, ne bavardent pas assez. Même si ça doit parler, mais les injures fermées. Parce que même si tu ne crois pas que c'est Dieu, mais c'est quelque chose.
Même si c'est Satan. Satan a pouvoir sur toi. Moi, je peux être Satan. Mais Satan lui-même, là, il a pouvoir sur l'être humain. Voilà pourquoi les démons sont en vous, là. Quelqu'un qui est là, toujours en train de fumer. Tu dis le Seigneur Jésus-Christ, je dis c'est Satan. Toi-même, tu fumes là. C'est qui fume en toi? Tu es avec qui? Oh. Le démon, quand il a envie de fumer, quand il va te pincer comme ça un peu, mais tu es là, mais tu as envie de fumer. Si tu ne fumes pas, tu n'es pas à l'aise. Tu vas prendre un peu. Même quand tu tires un peu comme ça, tu es à l'aise. Tu penses c'est quoi? Que Dieu vous bénisse. Et donc, c'est Dieu qui est là. C'est Dieu que vous voyez là. C'est Dieu. Ou bien, bon, c'est l'Esprit de Dieu qui habite ce jeune-là. Ou bien ce monsieur-là. C'est un monsieur, c'est pas un jeune, n'est-ce pas? Ce monsieur, c'est l'Esprit de Dieu qui l'habite. C'est l'Esprit de Dieu qui l'habite. Vous voyez comment c'est un peu... C'est léger, non? Quand on dit c'est l'Esprit de Dieu qui habite ce jeune-là, si on dit aux étrangers, aujourd'hui les étrangers viennent là, si vous dites que c'est l'Esprit de Dieu qui habite le jeune-là, est-ce que ça sera scandaleux? Hein? Non! Ils vont accepter facilement. Ah oui, c'est l'Esprit de Dieu qui l'habite. Hein? Ah d'accord. Parce qu'ils savent que l'Esprit de Dieu prend les gens un peu. Mais quand tu dis c'est le Seigneur Christ qui est là, ah! Tentation. Ça devient compliqué. Équation difficile à résoudre. Fais un effort pour résoudre l'équation là. Tu vas voir que devant là-bas, tu auras une bonne note. Amen. Oh? Mais, si tu restes sur l'équation là, que tu n'arrives pas à démonter, tu es foutu. Donc, faites un effort. Demandez la sagesse de Dieu. Ne dites pas toujours, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Tandis qu'il y a des gens qui sont dans le peuple de Patmos, des milliers de personnes qui sont dans le peuple de Patmos, acquis à la cause de ces choses. Parce qu'eux, ils ne sont pas sages, parce qu'ils ne sont pas intelligents, parce qu'ils ne connaissent pas les choses de Dieu, parce qu'ils ne savent pas qui est Dieu. Au contraire, c'est parce qu'ils savent qui est Dieu et Dieu les a choisis. Au début, je vous ai dit, c'est moi qui choisis. Ce n'est pas vous qui choisissez Dieu, mais c'est Dieu qui vous choisit. C'est-à-dire ici, là, c'est moi Dieu qui vous choisit. Je sais comment vous êtes. Voilà pourquoi je vous prends. Ce que les humains ne savent pas, c'est que l'homme est composé de trois personnes. Vous, là, vous êtes composé de trois personnes. Il y a votre corps physique. Il y a l'esprit et puis il y a l'âme. Toute personne. Bonne personne, hein? Je n'ai pas dit les personnes génies. Hein? Parce qu'il y a des personnes là. Tu vois, ils sont physiques. Mais ils n'ont pas d'âme. Ou bien les âmes là, c'est quelque chose d'autre qui n'est pas bon. Que Dieu ne peut pas utiliser. Ce n'est pas de cela que je parle. Il y en a plein dans Abidjan. Vous avez des yeux pour ne pas voir, c'est ça. Ce n'est pas à cause de cela que Dieu est venu. Mais c'est à cause des bonnes personnes. Les bonnes personnes... Les sages, les intelligents. Les intelligents, c'est ce que Dieu a créé à 100%. Ça veut dire qu'ils ont une âme, ils ont un esprit, ils ont un corps. L'homme est composé de trois entités. Si tu ne possèdes pas ces trois entités, bien propres, normales, tu ne peux pas rentrer dans le peuple de Patmos de Dieu donné de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Ça veut dire vous qui êtes là. Vous ne pouvez pas rentrer ici si vous n'avez pas d'âme, vous n'avez pas d'esprit et vous n'avez pas... Bon, vous avez le corps, tout le monde a. Mais et l'âme, et l'esprit. L'esprit, c'est ce que les sorciers bouffent. Vous dites que les sorciers là bouffent les gens. C'est l'esprit que les sorciers, ils attaquent. Mais l'âme, les sorciers ne peuvent pas attaquer l'âme. Les sorciers, c'est l'esprit. Mais l'âme... C'est Dieu. C'est-à-dire que c'est l'âme qui passe au dernier jugement. C'est à cause de l'âme que l'église existe. L'église qui existe là, c'est à cause de l'âme. Sans l'âme, l'église ne peut pas exister. Mais l'église est là à cause de l'âme de l'homme.
Ça veut dire que vous venez à l'église, vous ne venez pas à l'église pour défendre quoi que ce soit. Vous ne venez pas à l'église pour avoir du travail. Vous ne venez pas à l'église pour avoir une bonne femme, un bon mari. Vous ne voulez pas, venez pas à l'église pour avoir de l'argent. Vous ne venez pas à l'église simplement pour que au marché, on puisse acheter vos aubergines. Mais vous venez à l'église pour que un jour vos âmes soient tous être sauvées. C'est fini. Il dit le reste, c'est fait divers. Parce que si tu viens à l'église pour avoir du travail, simplement pour avoir du travail, moi, je n'ai pas de travail pour te donner. Donc, si tu veux là, il faut aller t'asseoir. Ce n'est pas grave. Si tu viens à l'église, tu dis, c'est pour venir avoir mari simplement là. Moi, j'ai mari ici. Je n'ai pas mari. Je ne peux pas chercher mari pour toi. Si toi, tu es venu aussi pour avoir femme là. Moi, je n'ai pas femme ici. Hein. Je ne possède pas femme. Donc, je ne peux pas trouver aussi pour toi. Tu es venu simplement pour avoir l'argent, tu as parti. Moi, là, quand je suis quitté au ciel, je suis venu, je ne suis pas venu avec un sac d'argent. Il a trouvé où pour te donner. Mais, si tu viens ici à cause de la vie éternelle, j'en ai en abondance. Je vais te donner. Là, il n'y a même pas de conditions dessus. La vie éternelle, c'est moi. On m'appelle vie éternelle, c'est moi. Et puis je tape dans ma poitrine, je le dis, j'ai peur de qui sur la terre ici. Sur la terre ici, là, qui est garçon que moi? Moi là, je lève mon petit doigt là, tu dors là, tu ne vas pas te réveiller. Il y a d'autres qui sont aujourd'hui, qui sont couchés, qui ne sont pas réveillés. Tout simplement parce que moi là, je ne les ai pas tapés comme ça. Hé, lève-toi. Ils sont où? On va les enterrer. Ils vont dormir avec qui là-bas? Ils sont seuls. Mais ceux-là, hier, il fallait leur dire que Christ est descendu. De toute façon, ils vont t'insulter. Si tu ne fais pas attention, ils vont te boxer. Mais aujourd'hui, là, ils sont où? Ils sont décédés. Ça veut dire quoi? Je ne vous offense pas, mais l'homme n'est rien. L'homme, là, est comme un œuf dans ma main. Je suis obligé de vous tenir avec délicatesse. Sinon, vous allez casser. La manière dont les gens injurent le Dieu de Naomi, ils insultent la prophétesse Naomi, et puis ils m'insultent là. Si je dis tu dors, tu ne te réveilles pas, tu as fait quoi? Ils vont accuser qui? Ceux-mêmes qui sont décédés aujourd'hui là, ils ont accusé qui? Personne. Croyez fermement au Dieu de Naomi. C'est le véritable. Quand on parle, on parle de Dieu. Quand on parle de Dieu. On ne parle pas d'être humain. Les gens disent que vous adorez l'homme. Vous adorez la prophétesse Naomi. Et puis le monsieur vous dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui vous adorez. C'est l'homme vous adorez. Nous au moins, on n'adore pas bois. Nous au moins, on n'adore pas les eaux. Mais vous dites que c'est l'homme, on adore. Mais en matière de Dieu là, qui n'adore pas, qui ne suit pas l'homme sur la terre ? C'est dans quelle église vous êtes parti, vous avez vu Dieu, il est assis là. C'est dans quelle église? Même à la mosquée. Même quand on va adorer fétiche là. Il y a quelqu'un qui est toujours devant fétiche là. Et c'est cette personne là qui s'adresse à l'assemblée. À l'église, il y a le pasteur qui est là. C'est ce que le pasteur dit que vous écoutez. Aux catholiques, il y a les prêtres. Et c'est sur les presses, derrière les presses, vous courez. Ce n'est pas l'homme que vous suivez aussi. Ça veut dire qu'en matière de Dieu, il y a toujours l'homme dans l'église, installé dans l'église, et tout le monde converge vers la personne. Donc la prophète Naomi, elle parle avec Dieu. C'est derrière elle que vous tous, vous courez. Mais la prophète Naomi, derrière elle, se trouve la plénitude de Dieu. Dieu est arrêté là. Et c'est ce Dieu-là qui est invisible pour qu'on puisse le voir, qui s'est fait chair. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre dans ça là? Qu'est-ce qui est difficile, mes enfants? Qu'est-ce qui est difficile dans ça? Je ne sais pas, bon.
qu'est-ce qui est difficile même? C'est trop facile. Bien que je dise que pour comprendre les choses de Dieu, ce n'est pas facile. Mais pour comprendre les choses de Dieu, ce n'est pas facile. Mais quand on démontre cela. Mais essayez d'analyser vous-même pour voir, pour comprendre. On vous dit. À cause de vous, les étrangers même, je ne peux pas souvent donner des piments à ceux qui sont là qui ont fait au moins 3 ans. Parce que ceux qui sont là qui ont fait au moins 3 ans, si c'est à eux que je vais m'adresser, c'est pas de cette façon, cette manière. Parce que ce que je suis en train de vous dire là, c'est élémentaire. C'est élémentaire, c'est quelque chose, même les enfants les plus petits connaissent ça, et puis ils peuvent vous enseigner. On évolue. Mais à chaque fois, il y a des étrangers qui viennent. Et puis, quand je vous enseigne, je reçois vos mentalités, vos idées viennent. Ce qui fait que je parle beaucoup, j'essaie de détailler certaines choses. Parce que je vois vos idées là. J'analyse. Ça, quand vous réfléchissez, ça vient vers moi. Donc souvent, je suis obligé de détailler certaines choses pour que toi, tu es en train de réfléchir façon là, que je ne comprends pas là, que je puisse remédier un peu. Si tu as accepté là, ça va t'arranger. Si tu n'as pas resté là, il faut rester comme ça. On a la fin du monde. Le jour qu'on va arriver au ciel là, on va débattre cela. Ou bien le jour où toi, tu vas mourir là, on va débattre. Parce que moi là, je ne meurs pas où. Ma mort là, ça équivaut à la fin du monde. On se croise là-bas et puis on se juge. Je suis venu sur la terre, je suis venu vous donner quelque chose. Je ne suis pas venu pour que vous me donniez la vie éternelle. Parce que c'est moi qu'on appelle la vie. Je suis venu vous donner ce que j'ai. C'est comme un professeur qui va t'enseigner, qui est là, qui t'enseigne. Professeur de mathématiques qui s'enseigne. Et puis toi, tu es là, tu ne connais rien. Lui vient t'apporter sa connaissance. Et c'est toi. Tu détestes le professeur, c'est toi, tu ne veux pas voir le professeur, c'est toi, tu insultes le professeur, c'est toi, tu es rebelle dans l'église. Toi, tu penses que lui, sa connaissance, il va te donner. Les autres, là, ils vont accepter, ils vont comprendre, mais toi, là, tu seras zéro. Tu ne vas rien connaître, parce que toi-même, tu ne connais rien. Voilà pourquoi tu es assis là. Lui, il est devant toi. Il t'enseigne. Moi, je suis devant vous, je vous enseigne. Je dis que je suis Dieu, j'ai la vie éternelle. Moi, là, la vie éternelle, c'est moi. Je vais vous mentir en quoi? Et puis, je vais voir quoi? Si je devais vous mentir, là. J'allais vous mentir, ce que je vais vous dire, puis vous allez envoyer vos petits jetons là. Tout ça là. J'allais mentir si vous allez m'envoyer. Vous pensez accepter la vie éternelle, là, c'est facile. Parler de la vie éternelle. Moi, je vous dis de ne pas faire ça, de ne pas boire, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Il y a d'autres qui disent que, pardon, cela. Il y a trop de lois là-bas. Il ne peut pas suivre Dieu de Naomi là. Mais Dieu, il est comme ça. Dieu a ses lois. Si tu ne veux pas obéir là, dehors. Même dans les autres églises, là, ils font comme il n'y a pas loi. Hein. Il y a loi. Les 10 commandements de Dieu, là, c'est des lois qui sont dans l'église. On doit obéir à cela. Tu n'obéis pas, là. La vie éternelle, là, ça va t'échapper. Ça, c'est clair. C'est comme ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et donc, c'est Dieu. Et je vais vous expliquer comment et puis vous allez comprendre. Le dirigeant vous a expliqué. Vous a parlé, par exemple, sur Marie. Marie a mis au monde un enfant. L'enfant s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ a un corps physique comme vous. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il est hors des humains. Parce que Dieu est venu s'accaparer de son corps. Lorsque Marie mettait accoucher l'enfant, il n'a pas accouché avec Dieu lui-même dedans là-bas, tout. On a accouché l'enfant. L'enfant est là. Dieu avait la main sur l'enfant. L'enfant a grandi. Il faisait ce que son père faisait. Mais le moment arrivé, Dieu était obligé de se manifester en cet enfant-là. Mais c'est plus terrible qu'aujourd'hui, parce que
allait au moment, allait temps, ils n'ont pas entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Hein. Ils savaient que le Messie allait venir, mais non, pas comme ça. Mais Marie a accouché un enfant. Marie n'a pas eu de rapport avec un homme a fait un enfant. Si c'est aujourd'hui, les gens vont dire que Marie a fait un enfant adultéré. Et c'est ce qui a été dit. Mais est-ce que vous pensez que tout ça, on a écrit dans la Bible? On n'a jamais écrit dans la Bible tout ça. Mais ça s'est passé en Israël. Je dis que Marie, elle a eu tous les problèmes. Parce que tu n'as pas eu de rapport avec un homme. Et puis tu tombes enceinte. Mais c'est un problème pour toi-même. Parce que tu te poses la question de savoir, mais qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Elle s'est dit, qu'ai-je fait pour mériter ce tort? Est-ce que mon mari va me prendre encore? Est-ce que j'aurai un époux? Je ne vais pas rester comme ça. Tu vas m'accepter encore dans la communauté. Mais tout ça a été réglé par Dieu lui-même. Dieu, il a, puisque c'est Dieu lui-même qui a fait, Dieu, il a réglé tout ça. C'est tombé net. Il n'y a pas eu bavure. Les gens, ils ont parlé. Ils ont critiqué. Mais Dieu, il a fait son travail. Il a fait son travail. Et dans ces conditions pareilles, c'est catastrophique parce que les gens n'ont pas cru en ce grand homme qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu. Personne n'a cru en lui. Il y a eu combien de personnes qui ont suivi le Seigneur Jésus-Christ? D'autres même suivaient le Messie pour pouvoir avoir à manger. Non pas parce qu'ils croyaient, mais pour pouvoir avoir à manger, pour pouvoir assister au miracle. Mais dit qu'ils vont croire que c'est le Fils de Dieu, effectivement, ceux qui croyaient, ils étaient peu. Mais est-ce que Dieu a regardé tout ça? Réfléchissez un peu, mes enfants. Analysez, mettez-vous à la place de ces gens-là en Israël pour comprendre comment est Dieu. Et vous allez comprendre aussi que quand on dit que le Seigneur Jésus-Christ est en Côte d'Ivoire, vous allez comprendre que Dieu, il fait ce qu'il veut, mais il ne fait pas ce que les gens veulent. Côte d'Ivoire, pays béni de Dieu, ce n'est pas un fait hasard. Mais Dieu a béni la Côte d'Ivoire, pas pour les pasteurs, pas pour les hommes de Dieu, pas pour les prêtres, pour les évêques, pour les... Comment on les appelle même? Les bishops, et puis quoi encore? Bon, ils sont pleins. Ils créent les noms, ils se donnent, et puis ils font. Tout cela, Dieu n'a pas béni la Côte d'Ivoire pour quelqu'un. Mais Dieu a béni ce pays-là, Ivoirien, Côte d'Ivoire. Dieu a béni ce territoire-là pour lui-même Dieu. Parce que à la fin de tous les temps, lui, Dieu viendra ici, s'asseoir en chair et puis en os ici pour effectuer le travail de la fin du monde. Et puis quand je dis que c'est le travail de la fin du monde, là, ça ne vous fait pas peur, hein? Il y a des gens qui pensent que moi, je suis un menteur, que je vais mal finir, que j'aurai honte. Moi, la honte, moi. Moi, Dieu, honte. Vous ne savez pas ce que je suis venu faire, c'est à cause de ça. Moi, honte, le monde là, je tiens dans ma main. La personne qui aura honte là, en tout cas, ce n'est pas moi. Mais attendez un peu, on verra dans le temps futur. Ça fait plus de 40 ans que Patmos existe. Ça fait plus de 40 ans que la prophétesse Naomi exerce. Ça fait plus de 40 ans que Christ est descendu en Côte d'Ivoire. Ça fait plus de 40 ans que les anges sont sur terre, ici en Côte d'Ivoire. Ici, des milliers d'anges sont là. Il y a certaines choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Là. Vous vous demandez comment on a fait et puis on a pu échapper à ça. Il y a d'autres personnes qui ont dit, effectivement, Dieu est en Côte d'Ivoire. Vous n'avez rien vu encore. Ça, là, c'est petit. Quand vous allez courir là-bas un jour pour prendre les avions, pour rentrer en Côte d'Ivoire ici, tout le monde va dire, allons en Côte d'Ivoire pour croiser Dieu, pour avoir la bénédiction de Dieu. Un jour, c'est ce que les gens vont dire. Côte d'Ivoire, pays béni de Dieu. Ils vont courir pour venir ici. Tout le monde. Ils vont tous courir pour venir en Côte d'Ivoire, pour venir chercher Dieu ici. Et puis, c'est le Dieu de Naomi, pas d'autres dieux. Si je dis ça, c'est ce qui va se passer que je vous dis.
Vous voyez, laissez les gens créer les églises qu'ils veulent. Mon Dieu là, je vais fermer tout ça là. Les églises, les petites églises que les gens créent dans les coins, les recoins de rue, dans les hameaux, dans les maisons que vous voyez là. Regardez les puits passer. Je vais éteindre tout ça là en un clin d'œil, un seul jour. Je ne prends pas deux. Un jour, j'éteins tout ça. Il y a d'autres hommes de Dieu là. Les fidèles vont les pousser pour les frapper. Ce que je dis là, écrivez même pour garder. Parce que vous allez oublier, vous les humains là, vous oubliez vite. Vous oubliez, il y a tout ce qui se passe actuellement dans le peuple de Patmos. Mon Dieu là, j'ai annoncé depuis sa durée. C'est ça que je suis en train de faire là. Mais vous oubliez, quand j'ai dit quelque chose, deux jours après, quand vous partez à la maison, vous avez oublié. Quand je vais réaliser, vous ne comprenez plus pourquoi c'est comme ça. Alors que j'ai dit. J'ai dit, il n'y a rien que je ne vous annonce pas. J'ai dit tout. Mais souvent, vous ne comprenez pas. Ou bien dans la réalisation de cette chose-là, vous ne pouvez pas savoir que c'est ce que j'ai dit là que je suis en train de faire. C'est ce qui est vos problèmes. Sinon, j'ai dit des. Quand je vous dis que le monde va finir là, est-ce que vous avez un peu l'idée, la manière dont ça va finir? Vous ne savez pas. Mais le jour que ça a fini comme ça là, il y a des gens là, quand ils sont nés, ce qu'on appelle église, ils n'ont jamais pied dedans. Et puis c'est qu'eux, ils connaissent ces fétiches. Ceux-là, ils vont vouloir aller au ciel aussi. Quand ça va arriver là, ceux-là, ils vont vouloir aller au ciel aussi, alors que ceux-là n'ont jamais attrapé la Bible. Ça sera terrible. Je ne parle pas d'un fait qui sera facile à accepter, mais d'un fait qui sera compliqué pour le monde entier. Tout le monde va vouloir aller au ciel, mais tu vas faire comment? Puisque tu n'as pas l'habit pour rentrer dans le royaume de Dieu, puisque tu n'as pas les ailes pour pouvoir t'envoler, pour aller, tu vas faire comment? Parce que quand le monde va finir, vous serez tous enlevés. Parce que parmi vous, il y a des gens qui vont mourir, il y a des gens qui ne vont pas mourir. C'est la vérité. Il ne faut pas en voir se cacher. Vous tous, vous n'allez pas rester comme ça. Je vais vous prendre un à un. C'est parce que je veux prendre là. Je prends. Je dis toujours ça, non? Je vous dis toujours ça, non? Je vous dis que, Patmos, si toi, il est l'heure de te prendre là, je vais te prendre bien. Et puis quelqu'un ne peut pas me demander pourquoi je t'ai pris. Maintenant, s'il est l'heure que moi, toi, je te prenne là, je vais te prendre bien. Ta femme là, elle ne peut pas s'arrêter devant pour parler loin. Je vous dis toujours que, mon Dieu là, je suis venu détruire le monde pour vous donner la vie éternelle à mes enfants. Et s'il est l'heure pour que toi, je puisse te prendre pour aller te donner la vie éternelle, je te prends. Est-ce que l'amour là, c'est quoi? Je te prends, tu t'en vas, c'est fini. Au moment où toi, tu fermes tes yeux nets, tu vois Dieu même en plénitude, il est là. Ce que toi, tu vas faire, c'est quoi? Papa, merci. Dieu, merci. Seigneur, merci. Merci, 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 merci beaucoup. Au moment où toi, tu es en train de dire, Dieu, merci, papa, merci. Tu te tournes comme ça, il y a des gens qui sont en train de pleurer parce que tu es mort. Toi, tu les regardes comme ça, tu dis, mais c'est là, mais quel problème? Parce que quelqu'un qui meurt, il sait qu'il est mort. C'est ce qui est dangereux. Les gens disent que je ne vais pas à l'église, si je meurs, c'est fini. Erreur. Quand quelqu'un meurt, la personne sait qu'il est. La personne sait. Elle, cette personne sait qu'elle est morte. Il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème dessus. Si aujourd'hui, toi, tu meurs, ou bien, comité, toi-même, tu as trop fait le travail de Dieu. Si toi-même, tu t'en vas là, mais ça fait quoi? Ça fait rien. Tu es ici, là, il y a quoi ici? Il y a chaleur. Regardez ça, là. Regardez. Au ciel, là, c'est la paix. Au ciel, là, c'est la joie. Au ciel, là, vous avez tout. Il n'y a pas cette chaleur là-bas. Au ciel, tout est en or. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le royaume des cieux, la nouvelle Jérusalem n'est pas habité.
Mais il y a un endroit qui est habité, c'est la cité d'Abraham. C'est là-bas sont les Abraham, les Moïse, les Noé. Ils sont là-bas. Mais les Moïse, les Abraham ne sont pas dans la vraie cité. La nouvelle Jérusalem n'est pas habitée. Mais ceux qui ont eu la vie éternelle comme les Abraham, là, ils sont où? Là où ils sont là, on appelle ça la cité d'Abraham. Maintenant, c'est quand le travail de la fin du monde va finir et que les enfants de Dieu, les élus, seront enlevés et que tout va finir, c'est là que les Abraham, les Moïse, ils vont prendre les sacs là. Et puis ils vont aller rentrer maintenant dans la nouvelle Jérusalem. Pourquoi? Parce que le travail de Dieu sur terre, le champ que Dieu a fait sur la terre là, il est venu anéantir tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien sur la terre ici. Quand tous seront enlevés, il n'y a plus rien sur la terre ici. Ce sera la désolation. Toi qui n'as pas été enlevé aussi, si tu es dans le peuple de Patmos, Dieu donné de Côte d'Ivoire, que tu n'as pas été enlevé aussi, ça sera catastrophique. Pourquoi? Pour toi, parce que les événements qui vont venir là, l'homme, l'être humain ne pourra pas supporter. Il aura la chaleur terrible. La mer que vous voyez là, le bruit qu'il va faire, ça sera terrifiant. L'eau que vous buvez là sera amère. Vous allez chercher la mort, pas trouver. En ce moment, Dieu, son épouse, les deux oliviers ne seront plus sur la terre. Les enfants de Dieu, les élus de Dieu seront tous enlevés. Qui est sur la terre ici qui est bon encore? C'est comme quelqu'un qui a fait son champ de riz, qu'il a récolté, il a fini de récolter et qui se permet de mettre le feu dans le reste. C'est comme ça sera la fin de tous les temps. Dieu viendra lui-même sur la terre pour venir couper le riz. Et c'est ce que Dieu est venu faire dans les derniers temps. Quand je vous dis que le monde est fini, ce n'est pas vous les humains qui allez savoir que le monde est fini. C'est Dieu lui-même qui va quitter dans les cieux, qui va descendre sur la terre parmi vous pour vous annoncer que attention, le monde est fini, attention. Mais qui est sur la terre qui sait que le monde est fini? Si ce n'est pas Dieu seul qui sait que le monde est fini. Maintenant, comment vous allez faire pour savoir que le monde est fini? Et puis vous allez vous apprêter. Vous allez faire comment? Il faut que Dieu et ses anges viennent vous annoncer. Moi, je viens pour vous annoncer que le monde est fini. Même si vous ne reconnaissez pas que moi, je suis Dieu. Mais ce qui sort de moi là, mais ce n'est pas de Satan. C'est les choses de Dieu. Je ne suis pas venu pour faire la publicité de Satan ici. C'est moi mon ennemi direct. Je suis venu pour parler de Dieu. Mettez le corps là, que vous voyez là, si vous voulez, ne le considérez pas. Mais ce que je vous dis là, considérez ça. Si vous considérez ça, vous aurez la vie en abondance. Amen. Parce que c'est des paroles qui donnent la vie. C'est des paroles qui donnent la vie éternelle. Quand je vous dis, abandonnez les péchés. Quand je vous dis, Dieu n'aime pas l'adultère, la boisson, la cigarette. Ça là, c'est ce que Satan enseigne à ses enfants parce que Satan sait que Dieu là, il n'aime pas ça. Et que si un enfant de Dieu se permet d'emprunter ce chemin, il lui sera difficile d'accéder au royaume des cieux. Satan lui-même, il sait ça. Satan connaît les lois de Dieu. Satan sait ce que Dieu aime. Satan sait ce que Dieu n'aime pas. Satan sait que si toi, tu tues un être humain, c'est le péché le maximum. Après tuer, il n'y a plus d'autre péché derrière. Satan lui sait. Satan sait que si toi tu as tué, toi, tu as tué quelqu'un aujourd'hui. Il a tué puis tué. Ah oui. Non, parce qu'il faut que je détaille. Il a tué puis tué. Parce que quand je parle, vous allez penser que il y a quelqu'un qui est là qui n'aime pas son prochain et il le tue. Il va prendre fétiche ou bien, bon, il envoie des gens manger d'un coup et pour ça le tuer. Mais la personne qu'on a tuée là, une fois il meurt, il sait qu'on l'a tué. Parce qu'une fois il meurt, il connaît la vérité qui est là. Il sait que c'est quelqu'un qui l'a tué. Maintenant, puisqu'il sait qu'il y a le jugement dernier qui est là, il est obligé d'aller plaider devant Dieu pour dire à Dieu que, ah papa, voilà ce qu'on m'a fait. Papa, voilà ce qu'on m'a fait. Je n'ai pas suivi, je n'étais pas loué sur la terre. Il peut ne pas être un chrétien. Mais du moment où tu l'as tué, pour chercher la vérité,
pour que Dieu puisse avoir pitié de lui, il est obligé de prendre ce que tu as pris pour le tuer là, en témoin. Et puis il va devant Dieu pour dire, papa, tu vois, monsieur là, moi je suis parti sur la terre là. Peut-être que tu allais me prendre, moi j'allais faire travailler là aussi. Je ne sais pas, tu ne m'as pas encore pris. Il a mis fin à ma vie. Je n'ai même pas pu te louer. Et il a mis fin à ma vie. Voilà pourquoi je viens te dire, voilà ce qu'il a pris pour me tuer. Mais c'est fini pour toi. Même si tu es chrétien, lui là, ces milliers de péchés là, du moment où tu l'as tué, ces milliers de péchés là, on arrache tout ça et puis on le dépose sur ta tête. Et puis lui là, il est saint. C'est comme ça. Voilà pourquoi on ne tue pas. Voilà pourquoi si tu tues là, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Parce que tu prends le péché, tous ces péchés, ces multiples péchés là, tu prends. Donc ne tue pas. C'est ce que les gens ne savent pas. Il y a des gens qui disent que ouais, on va tuer, on a incité lui, il a incité d'autres dieux, on va aller le tuer. Allez le tuer. Si tu as tué deux personnes, trois personnes là, tous ces péchés là, tu ramasses tout. Ça c'est comme ça en matière de Dieu. Donc on ne tue pas. Satan sait ça. Et comme vous, c'est de l'argent. Les gens aiment l'argent sur la terre. Ça dit que vous aimez trop l'argent. L'argent. Quand vous voyez l'argent, vous pouvez vendre votre frère. Même il y a des gens ici là, mais ils peuvent me vendre à cause de l'argent. Vous les filles là, c'est à cause de l'argent vous-même. Vos péchés là même, on n'en parle pas, l'argent. Vous aimez trop l'argent. Vous aimez trop. C'est faux ou bien c'est vrai? Hé, c'est faux ou bien c'est vrai? Répondez-moi. C'est faux. C'est vrai. Aïe. Vous aimez trop l'argent. À force d'aimer de l'argent, vous tombez toujours dans les filets de qui? Il y a de ceux qui sont là-bas là. C'est ça, non? Que Dieu vous bénisse. Donc, faites cette attention. Donc, comme Satan sait que Dieu, là, si tu fais ça, 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 tu seras en désaccord avec Dieu. Il est obligé de mettre ça devant les hommes à chaque fois. Parce que sur la terre, c'est Satan même qui gouverne ici avant que Dieu n'arrive. Satan même, il gouverne. Il est ici, il est assis ici et c'est lui qui manipule. Vous pensez tout ce qui se passe dans le monde entier, là, ce qui fait tout ça, là. C'est Satan qui manigance pour dire aux gens que le monde là, ça ne va jamais finir. La belle vie, les belles choses. Et quand les gens voient, ils pensent que le monde ne va pas finir. Le monde va finir. Hein? Parce qu'il n'y a rien sur la terre ici qui est plus beau que le royaume des cieux. Rien. Le royaume des cieux là. Tout ce qui est là-bas, il n'y en a pas sur la terre ici. Quelle que soit la beauté de cette chose sur la terre, n'est rien. Moi, je ne considère rien ici. Voilà pourquoi moi, Dieu, là, quand je viens sur la terre, si quelqu'un vit dans cabane, c'est un pasteur aussi, ils font église dans la cabane là. Moi, Dieu là, je vais là-bas, je rentre dans la cabane là, je les enseigne, je les bénis et puis je sors. C'est pas la maison, il faut construire joli. Mais c'est ce qui est dedans là, c'est comme cimetière. J'allais faire quoi là-bas? Voilà pourquoi ce que je vous dis, prenez le bon chemin. Empruntez le bon chemin. Ne volez pas. Dieu n'aime pas. Arrêtez de boire, c'est pas bon. C'est pas pour moi, mais c'est pour vous. Parce que moi là, quand je viens sur la terre, je prends mon esprit, l'esprit de Dieu là, je prends et je vous sers. Vous êtes habités par l'esprit de Dieu tous. Mais imagine-toi, la boisson alcoolisée qui est comme du poison que tu mets en toi, c'est comme ta maison que tu salis. L'esprit de Dieu en toi n'aime pas, donc il est énervé. Ça ne va pas. Si tu ne fais pas attention, il risque même de te quitter sans que tu ne le saches. Parce qu'au moment où il venait t'habiter, tu n'as pas vu dedans. Donc fais très attention. Ne buvez pas. L'adultère, non, arrêtez. Ça détruit. Ça vous détruit. Est-ce que la fumée, cigarette, je dis, n'aime pas faire ça. Les histoires, les palabres, un homme de Dieu ne fait pas tout ça. Ne tuez pas. Je vous dis toujours ici que Satan sait ça. Voilà pourquoi ceux qui vous partez voir Satan, pour qu'il vous donne de l'argent, ce qu'il vous conseille, c'est quoi? C'est d'aller mettre fin à la vie de qui? D'un être humain. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Pour avoir le sang humain, il faut faire quoi? Il faut tuer. Quand tu tues, Satan te donne de l'argent, mais il ne te donne pas. Il te donne en abondance, il te donne. Mais quand
te donnant, il sait que ce qu'il lui t'a donné là, il va reconnaître ça devant là-bas. Parce que là où il va partir, tu vas partir avec lui. Mais Satan ne veut pas te donner lui sa richesse. Et puis lui va habiter dans le feu. Et puis toi, tu vas partir au paradis. Hein? Vous pensez qu'il est bête? Il n'est pas bête. Donc quand tu vas voir Satan pour dire que je veux ta richesse, il dit condition. C'est conditionné. C'est comme à l'église. Mais pour avoir la vie éternelle, c'est conditionné ou bien c'est pas conditionné? Aïe, c'est très conditionné. Donc chez Satan aussi, tout est conditionné. Il a son camp. Moi, j'ai mon camp. Moi, là, je ne vais pas chez Satan là-bas pour aller faire malin là-bas, pour aller jouer ballon là-bas. Je ne vais pas là-bas. Cherchez-moi ici, je joue ballon, je m'amuse, je fais tout. Satan aussi, là, il ne faut pas, il va s'azarder pour venir jouer ballon chez moi ici. Voilà. Donc, on se respecte. Il reste chez lui, moi, je reste ici. Voilà pourquoi c'est ici, là. Ici, là, je suis sévère là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous qui vous donnez à moi, là, vous venez puis vous donnez à moi, là. Je vous couvre à 100%. Même 150% et même 200% et même 1000%. Parce que je ne voudrais pas que Satan puisse mettre sa main dans vos pantalons. Il met sa main dans ton pantalon et puis là-bas ça te gratte. C'est pas moi, je suis en train de faire ça. Hein. C'est Satan qui est en train de... Je ne veux pas. La première des choses, quand quelqu'un se donne au Dieu de Naomi, c'est la sécurité totale. Ça veut dire quoi? Tu ne dors pas avant, tu vas dormir. Si tu es poursuivi par les démons, par les sorciers, à l'instant où tu te donnes au Dieu de Naomi, je mets fin à ça. Maintenant, si toi-même là, ta tête là est dure, que tu es sorcier ou bien ton sorcier, ici là, quand on dit, quand tu demandes à la personne, toi, tu es sorcier ou bien ton sorcier, non, moi je ne suis pas sorcier. Je ne suis pas sorcier, je ne suis pas sorcier. Vous savez ce que c'est que la sorcellerie? La majorité des gens que vous voyez là, ils sont tous sorciers et puis sorcières. Plein. Vous habitez avec Satan ici. Il y a des enfants là, quand ils naissent, au moment où ils naissent comme ça là, c'est au moment où ils naissent comme ça que l'esprit de sorcellerie là, s'il doit rentrer dans les rentres et puis s'asseoir là, il est là. Voilà pourquoi ce appartement, c'est le plus souvent, je vous dis, quand vous faites un enfant nouveau-né, en profitez pour faire sa délivrance de sorcellerie. Quand vous faites tout ça là, et puis je neutralise tout. L'enfant là, il va grandir, tête là, vide. Pas sur ce lit dans sa tête. Mais il y a des gens ici là, les yeux là sont comme ça. Actuellement, ils sont en train de parler là. D'autres là, ils font les yeux là comme ça. Piaco, piaco. Piaco, piaco. Piaco, piaco. Ils veulent chercher à comprendre, à voir. Toi, tu veux chercher à voir quoi? Moi qui suis en train de parler là. Si tu fais ça là, tu seras aveugle. Parce que tu ne pourras pas me voir. Parce que si moi, je veux me révéler à toi là, tu vas tomber tout de suite. Mais si toi, tu veux me révéler, si j'écris. Tu fais ça tout sur la tête là-bas. Toi, tu vas faire quoi? Si là, ici là, je fais ici là, je fais ça non? Actuellement ici là, on est entre nous. Ici là, je fais ça. Mais ça là, c'est physique. Vous comprenez? Et puis vous acceptez? Et puis ça fait rien. Mais si c'est dans le spirituel, je crie sur toi comme ça, c'est fini pour toi. C'est fini. Quand des gens viennent s'attaquer à vous, ils ont problème. Parce que là-bas. Souvent, les gens crient sur eux comme ça. Même l'ange, si tu te dis son qu'il a fait là, tu tombes malade. Et puis, si tu fais attention, tu meurs. Oui? Et elle dit, toi, viens ici. C'est pas toi, on voulait te tuer là. Non, non, non. Toi, on voulait te tuer. Raconte un peu. Il y a eu quoi là-bas? Quand mais c'est Yingba. Kemblo fue nous. Yingba qui a la souklou. Bon. Allô? Mais on peut avoir une équipe. Gaïti. Hein? Quels sont ceux qui ne comprennent pas le baoulé? Mais dis donc. Mais tu as échoué déjà?
Regardez tout cela. Ils ne comprennent pas ce que. Tu as parlé en baroulé. Ils ne comprennent pas. Bon, je vais parler un peu en français. Un peu, voilà. Ton français là. Tu as ton petit français là. Oui, tout le monde comprend ici. D'accord, papa. Français, on parle terre à terre pour que l'enfant de CP1, l'enfant de CP1, un enfant de CP1, s'il rentre dans l'église, ici, il puisse comprendre. Merci. Tu comprends? Oui, oui, papa. Donc, ce n'est pas français, on parle grand. Mm. Si on veut parler français, grand, là, il y a les professeurs de français ici. Voilà, professeur de français. Viens ici. Hé, oh, blabla. Non, lève-toi. Voilà, professeur de français. Elle est professeur de français. Là. Tu enseignes le français, non? C'est pas insultrice. C'est professeur de français. Ça veut dire que quand on dit bon français, là, c'est qui? Quand on dit bon français, c'est qui? C'est elle. Quand on dit parler bon français, là, c'est qui? Il y a des gens qui sont ici, qui sont bien éloquents, n'est-ce pas? En français, qui s'expriment très bien. Voilà. Mais est-ce qu'on dit ceux-là n'ont qu'à venir, qui viennent s'exprimer ici? Non. Quand, par exemple, arrêtez-vous là. Ils vont vous regarder aussi. Toujours, c'est mes gros yeux-là, on regarde ici. Regardez-les aussi. Voilà. Regarde. Quand, par exemple, Alexandre s'est arrêté ici, et puis il est en train de prêcher. Il prêche en baoulé, n'est-ce pas? Quand l'autre, le traducteur, qui est Jean-Claude, qui se met ici, vous pensez que si Jean-Claude, lui, se permet de s'exprimer en parlant des thèmes que les gens ne comprennent pas, tu penses que ce que lui, Alexandre, est en train de dire là, c'est quel effet ça a donné aux gens? Il y a combien de personnes qui vont comprendre ce que lui, Alexandre, est en train de dire en français? Et puis toi, au lieu de traduire, au lieu de prendre français courant, bah, pour que même un enfant de CP1 puisse comprendre la prédication, tu élèves le niveau. Est-ce un niveau où c'est les gens qui sont allés à l'université, qui ont les maîtrises qui peuvent comprendre? Mais dis donc, toi, on va te noter combien? On te note combien? Parce que lui, ce qu'il a dit là, ce que lui est en train de dire, tous ceux qui sont en baoulé, qui comprennent baoulé, ils ont tous compris. Hein? Il faudrait que toi-même, tu es en train de traduire en français aussi. Il faudrait que le petit de CP1 puisse, le petit de CPR, les enfants qui sont là-bas, là, ils puissent comprendre ce que lui a dit en baoulé. Mais s'ils n'arrivent pas à comprendre ce que lui a dit en baoulé, toi tu lèves ton niveau. Parce que toi tu es parti, tu as maîtrisé bien, tu es quoi? Tu es agrégé. Donc quand lui parle en baoulé, tu lèves pour qu'on dise que tu puisses comprendre le français. Oui, ils vont dire que tu es éloquent, tu comprends bien le français. Mais on va te noter en bas là, tu vas voir combien on va te donner. Quand tu finis là, il faut aller t'enjeuner, quand tu as dormi, Dieu. Le travail que j'ai fait aujourd'hui là, c'est combien j'ai eu. Ils vont noter, ils vont te donner. Ils vont te donner. Et donc, tout ce que vous faites là, c'est noter. C'est noter. C'est noter. C'est comme il y a une fille, elle me trouve au bureau là-bas, qui me dit que je devais venir te voir. Arriver à la porte, on m'a arrêté et on m'a donné une note. Et puis on dit, voici ta note. Et rien note, dit, ah, pourquoi notre est petit comme ça? On dit, c'est ce que tu avais là. Ce que toi tu as fait là, c'est ta note qui est là, c'est ça. Mais elle-même, elle n'était pas satisfaite de sa note parce qu'elle n'avait même pas la moyenne. Quelqu'un qui a moins 6, elle avait, je sais pas, c'est 6 sur 20. C'est pas 6 sur 20, elle avait combien? C'était noté sur combien? 50. Et puis elle avait, est-ce qu'elle avait même mon 10 même? 9,50. Elle avait quelque chose de 9,50 sur 50. 50, 9,50. C'est comme tu as eu 2 sur 20. Vous avez vu? Donc elle-même qu'elle a, elle a vu elle-même sa note, sa manière de suivre Dieu là. Dieu lui a dit ça. Donc maintenant, c'est à toi de faire quoi? Voilà. C'est à toi de multiplier les efforts. Regarde ici, on peut faire ça pour vous tous qui êtes ici. Vous êtes tous notés. C'est parce qu'on ne vous dit pas. Mais certaines personnes, on les dit aussi. Vous êtes notés. Hein? Donc, ça veut dire que lui, quand il va prêcher, lui, Alexandre, quand il finit de prêcher, automatiquement, à l'instant T, sa note tombe. Oh, vraiment vous-même. Quand il finit de prêcher, là, à l'instant T, là, sa note, là, ça tombe. On dépose ça dans ses archives, là-bas. Toi, tu as fait la traduction, là. On analyse. Vous pensez, quand je parle, moi, mon but, c'est que même tous les enfants, même un enfant de 1 an qui comprenne, puisse comprendre ce que je dis.
parce qu'il s'agit de la vie éternelle. Et donc tous doivent comprendre ce qui sort d'ici. Même chez les ceux qui enseignent. Tout le monde. Maintenant, quand vous sortez, que vous êtes dehors, vous pouvez parler vos gros français. Parce que là, c'est entre vous là-bas. Voilà. C'est compris? C'est à cause de toi qu'il parle tout ça. Là. Non, non, d'accord. De toute façon, j'ai parlé aujourd'hui là. Si tu ne parles pas français là, on ne sort pas ici. D'accord, papa. D'accord. Madame, s'il vous plaît, veuillez vous asseoir. Dieu merci, c'était en 1993. Quand le vieux Bruno, il était allé à Patmos, bah, il est parti là-bas depuis en 85. Bah, il m'a laissé, à ce moment, j'étais encore petit. Donc je suis resté sur les champs en bas et il a donné une portion à son petit frère. Et son petit frère, chaque moment quand il s'en va extraire, moi aussi je ne bois pas, on vient manger, quand on vient manger, c'est la nuit. Souvent j'ai faim, mais il s'en boit jusqu'à avant de venir. Bon, je n'arrive même pas à comprendre. Déjà au moment là, il s'en va voir les féticheurs pour qu'on me finisse. Parce que je ne bois pas. Attends. Il dit, on s'envoie les fréchisseurs pour qu'on me finisse. On comprend, non? Pourquoi voilà. On me tue? Voilà. Pardonnez. Non, on a compris. D'accord, papa. Okay. Pourquoi on me finisse là? On a compris. Okay. C'est pour que tu ne sois pas lésé. Merci. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, un jour, on était là jusqu'à un jour, lui-même, il est tombé malade. Quand il est tombé malade, en ce moment, je payais cacao. Je faisais un peu d'achat avec mes amis. Donc, je suis allé demander camion de mes amis pour que je vais au campement pour aller le prendre pour venir à l'hôpital à Gayoville. Et ils m'ont accepté, je suis parti. Quand je suis arrivé, on l'a mis dedans, on est venu à Gayo. Dès qu'on est arrivé, moi, le seul problème que j'ai pensé, bon, et puis ça m'a trop marqué. Quand on est arrivé, on me dit, on m'a donné ordonnance d'aller payer un médicament de 250 francs. Un homme qui est malade, il est tombé, il ne peut même pas se lever. Et puis c'est 250 francs, ça peut le sauver. Donc c'est là que j'ai vu que ce n'est pas la peine. Donc il n'est qu'à mourir. Non, non, je suis parti payer, papa. Je suis parti. Quand je suis arrivé, j'ai payé. Je suis venu. Il est sur le lit. Dès qu'il me voit net, il crie. Dès qu'il me voit net, il crie. Quand ils ont fait les soins finis jusqu'en... On dit, bon, allez-y à la maison. On n'est même pas sorti chez au cours de l'hôpital et il est resté dedans. Avec tes 200 000. Avec tes 200 000 partis. Oui. Lui, il est parti avec 200 000 là. Il est parti. Donc, en tout cas, il est resté dedans, il est mort. C'est là que j'ai pris le même camion pour qu'on l'emmène au campement. Maman Elisabeth, elle allait aussi au funérailles. C'était en 93. Donc, voilà ce qui a été passé. Parce que le monsieur, il veut me tuer. Donc, grâce à Dieu de Mamie Naomi, je suis sauvé. Donc, on n'a pas pu. Donc, vraiment, c'est le Seigneur. En tout cas, c'est vrai. Grâce au Dieu de Naomi, j'ai été sauvé. Amen. Que Dieu te bénisse. Grâce au Dieu de Naomi, j'ai été sauvé. Amen. Des fois, Jésus, on croit mon pas, à mon blanc, à quoi mon petit, mais viens où mais je crie au clou, amou. Amou bla, n'ti gwa, n'ti pa jale. Amou bla misi, amou ba misi, amou nyamouti, amou nyam gwa. Amen. Mais lui, comme ça a duré, il y a cet effet que tu as oublié. Oh la fils, ok, oh ya,
Et regardez. C'est ce qu'il a expliqué. Lui, il a son nom, son parent avec qui il est là-bas au champ, qui s'est attaqué à lui. Lui, il ne savait pas. Lui, là, il ne sait pas. Parce que c'est spirituel. En fait, quand lui, il se couche, ce monsieur-là, un, il est sorcier. De deux, c'est un fétiche. Il prend fétiche. Il a même tué qui? Il a tué des gens. Il allait prendre un femme au Bali. Il allait prendre un fétiche pour venir éliminer l'enfant de son frère. Quand il est arrivé, on lance, il a lancé. Puisque lui, il est quoi? Il est blindé à mort. Donc quand le monsieur, il lance, ça vient buter comme ça, boum, et puis ça retourne. Il lance, ça vient buter, boum, ça retourne. Il est là, il dit, mais dis donc, moi, mon fétiche que je suis allé prendre à des, au moins 200, 300 000, je ne sais pas combien de millions. C'est que c'est un faux truc qu'on m'a donné. Bon, d'accord, je vais essayer sur l'enfant de mon frère qui est là. Il a attaqué là-bas. Le même jour, il a mis. Paf, le lendemain, les deux pieds sont en l'air. Il a tué. Maintenant, lui, toi, ton problème, c'est quoi? Ton problème, c'est que quand toi, tu dors, en plus de fétiche, il vient en sorcellerie. C'est-à-dire que quand lui dort la nuit, le monsieur là, il vient en sorcellerie. Voilà. Parce que. Qu'est-ce qui se passe? Il attaque avec les fétiches, ça ne va pas. Donc il faut passer par d'autres moyens. Et donc il attaque en sorcellerie. Donc quand il vient encore en sorcellerie, il vient buter sur l'ange qui le surveille. C'est-à-dire que quand il vient à chaque fois, il y a un ange qui est devant la porte. Et il vient buter sur l'ange, il se retourne. Un autre jour, il vient, il se repose. Il répète. Pourquoi il répète? Il répète parce qu'il se dit qu'un jour, au moment où il va venir, l'ange l'adore ou bien il allait uriner. Là, il aura la possibilité de rentrer. Mais il n'a pas eu cette occasion. Mais puisqu'il répétait, un jour il était parti, l'ange là, l'ange n'a même pas, il n'a même pas beaucoup. Il a dit, Il a fait, Quand le monsieur s'est retourné là, le lendemain, c'est là qu'il est tombé malade là. Mais là, il est tombé malade, mais c'est lui qui est son parent. Il va faire comment? Il a pris le monsieur pour aller à Guéyo. Pour aller le soigner, et c'est ce qu'il a dit. Il allait dépenser combien? 250 000 francs, parce qu'il est mort, parce qu'il voulait le tuer. Il allait dépenser encore 250 000. 200 combien? 250 000. Hein? Mais c'est lui qui voulait te tuer. C'est parce qu'il voulait te tuer qu'il est mort. Oui. Maintenant, comme toi, comme lui ne savait pas, comme toi tu ne savais pas, Bruno était là-bas, ton pied là, c'est enflé. Bruno, il a regardé, son papa a regardé son pied là jusqu'à... Il dit non, mon fils là, je vais l'envoyer chez Dieu. C'est là qu'il a pris son fils, ils nous ont trouvés à Patmos. Et quand lui et son père sont rentrés, ils se sont engenoués net. Ils sont pleins, les fins étranges, soit bien, ouais. La maison jaune. Tu sais, parce qu'il y a les âmes soient, C'est là-bas où on était. Ben, à moi, ils sont pleins de bécis. On dit quand on a appris, on dit d'entra l'arrière, on a appris caché, on dit d'entra, on a appris, on dit non, c'est vrai, on dit d'entra, c'est château. Mon soeur est tramoussou. Maintenant, quand ils sont arrivés, Bruno, il ne savait pas ce qui s'est passé. Puisque son fils a son pied qui est enflé, ils sont arrivés devant Dieu.
Je suis ingénué. Bruno lui dit que à Dieu de Naomi, pitié de moi. Voici mon fils qui est malade. Son pied là, c'est enflé. Quand Bruno a dit ça là, Dieu dit, Dieu là, on dit Dieu là, parle à la prophétesse Naomi directement, non? Dieu parle à la prophétesse Naomi directement. La vieille, ou bien la vieille, la prophétesse Naomi, elle dit, attends. La prophétesse dit, attends. Dieu est en train de parler. Et Bruno s'est tu. Tu as oublié. Dieu dit, Dieu t'a dit. En bon. Donc, Jules, c'est moi, je suis mauvais. Dieu là, il dit à lui là. Jules, en bon. Donc, Jules. Donc, c'est moi là, je suis mauvais. Il est dérangé. Il est troublé. Parce qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. Il dit, papa, pardon. Mais lui, son pied était enflé, il souffrait. Dieu lui dit, ah bon, le monsieur, pourquoi tu as envoyé le monsieur là à l'hôpital? Il dit, c'est comment ça va pas? Il dit, tu ne sais pas que c'est le monsieur là qui est en train de te, voulait te tuer, puis il est mort. Lui là, il a tressailli comme ça, il dit, hein? Il dit, hein? Mais si je savais que c'était à cause de moi, il est tombé malade, mais je n'allais même pas l'avoir à l'hôpital. Mais tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. C'est ce jour-là que lui, il a su réellement que c'est à cause de lui que le monsieur-là est décédé. Mais regardez ce qu'il allait dépenser. 200 000. 200 et quelques mille. Parce que c'est son parent. Le monsieur voulait l'éliminer. Mais sans le Dieu de Naomi, lui, il ne vivait plus. Voilà pourquoi je te dis, si tu ne fais pas le travail de Dieu là, que tu t'as mis à guéillot. Moi, ma souffrance que j'ai souffert pour toi là, tu vas comprendre un jour. Donc, pour ce que Dieu a fait pour toi là, toi aussi, il ne faudrait pas que ça soit vain. Il faut apporter quelque chose à Dieu. Apporter quelque chose à Dieu, c'est quoi? C'est les âmes. C'est-à-dire parler de ton Dieu pour que les âmes soient tous être sauvées là-bas. Donc, à bon attendeur. Donc, sans le Dieu de Naomi, mais il ne vivait plus. Et donc, quand je dis que Patmos, quand vous venez à Patmos, vous êtes protégé à 100%. Je n'ai pas envie de rentrer même souvent dans les détails. Je suis obligé de dire ça, Mais Patmos, c'est la vérité. Patmos, c'est la vie. Essayez voir. On ne regarde pas avec les yeux pour comprendre. Mais Patmos se vit. Amen, non? Ça veut dire qu'il faut être dedans, ici. Il faut être dans le peuple de Patmos, Dieu donné de Côte d'Ivoire, pour comprendre que Patmos est bon. Tu es dehors, parce que moi, Dieu là, tu es dehors, il fait quoi pour toi? Tu es dans les autres églises là, tu es en train de me suiter. Attends, entre nous, attendez, entre nous, terre à terre. Moi, là, je t'attends dans ma patrie, je dis, je suis Dieu. D'autres sont là-bas, ils sont là-bas, ils disent que moi, là, je ne suis pas Dieu. Et puis, ceux-là parlent mal de moi, ils m'insultent matin, midi, soir. Et puis, eux, ils sont là-bas, ils disent qu'ils ont le véritable Dieu. Moi aussi, je dis que je suis le véritable Dieu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a deux camps. Il y a eux qui disent que moi, je ne suis pas Dieu. Et puis moi aussi, je dis que je suis Dieu et il y a des gens qui sont avec moi. Voilà pourquoi c'est délicat. Qu'on fasse très attention. Si, dans l'avenir, il s'avère que le fait que je dis que je suis Dieu, qu'à la fin de tous les temps, là-bas, il s'avère que je suis un menteur. Que c'est faux ce que je vous disais. Que je ne suis pas Dieu. Que je ne suis pas le Seigneur Jésus-Christ vraiment. Que je suis venu vous mentir. Supposons que dans l'avenir, à la fin de tous les temps, que la vérité éclate, que je suis le faux Dieu vraiment. Vous là, vous allez partir où? Mais vous partez à l'enfer. Maintenant, eux, ils vont où? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi le faux Dieu. Le faux Christ là, ils n'ont pas suivi aussi.
Donc, ils ont suivi là-bas le vrai Dieu. Mais puisque vous n'êtes pas avec eux là-bas, et puis vous êtes avec moi, là où j'irai là, vous irez aussi. Si c'est à l'enfer, la prophète Naomi et moi, on ira. C'est que vous aussi, vous allez nous suivre. Ne pensez pas que vous allez nous suivre. Et puis si c'est faux, vous allez partir au paradis. Maintenant, si c'est le contraire, parce que les gens, eux, ils sont figés. Hein? Ils sont figés. C'est faux, 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 c'est faux. C'est fini. C'est-à-dire, ils ne voient pas le côté, ça peut être vrai là. Hein? Mais quand moi je vous parle des deux. Maintenant, si jamais, quand je vous dis, c'est moi Christ, c'est moi Christ, c'est moi Christ. Si à la fin de tous les temps, il s'avère qu'effectivement c'est moi Christ. Ah! C'est que vous, vous êtes parti où? La porte du paradis est ouverte. Maintenant, et eux, ils vont partir où? Ils seront beaucoup là-bas, hein? À l'enfer, là, ils seront beaucoup. Moi-même, je vous dis qu'ils seront beaucoup parce qu'ils savent qu'ils vont partir. Parce que Christ, là, c'est moi. Amen. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre. Il y a un seul Christ. Et ce Christ-là, c'est lui qui est avec vous dans le peu de département de Dieu donné de Côte d'Ivoire. Vous avez la richesse, toute la richesse, tout l'or du ciel, vous avez ça. Vous voulez quoi encore? Vous avez tout, vous êtes riche. Quand je parle, souvent, je dis, je ne suis pas venu vous donner l'argent, je ne suis pas venu vous donner du travail. Bon, certaines personnes, ça peut les faire mal. Pourquoi est-ce que papa, on vient, tu peux nous donner du travail, et puis tu dis, tu n'es pas venu donner du travail. En fait, je vous dis, je ne suis pas venu donner du travail. Parce que il faut croire seulement au Dieu de Naomi, travaille là. Tu vas voir, c'est quelque chose de ce qui est sur la terre ici. Hein? Tu vas voir. Il n'y a pas de problème. C'est un combat pour lutter. L'argent là, je veux que vous ayez de l'argent. Est-ce que moi je veux que vous soyez pauvres? Mais si vous n'avez pas de l'argent, comment vous allez faire pour manger? Comment vous allez faire pour payer vos maisons, vos loyers? Comment vous allez faire pour vous habiller? Et comment vous allez faire pour venir à l'église? Donc il faut que vous ayez le minimum. Mais je ne voudrais pas que vous soyez figés sur ça. Que vous, quand vous venez à l'église, la vie éternelle, on dit, croyez en moi et tout vous sera donné. N'est-ce pas? Mais si tu ne crois pas que c'est à autre chose que tu crois, à l'argent, à avoir une bonne femme, de l'argent, du travail, et puis tu ne penses pas à la vie éternelle, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Maintenant, si toi, tu es en train de croire à la vie éternelle, fermement au Dieu de Naomi, mais pour te donner du travail là, si tu réfléchis les deux genoux, je vais te donner du travail. Moi, vos comportements là, c'est ça qui fait que, à faire du travail, là, vous souffrez. Il faudrait que moi je vous dise la vérité. Vous les humains là, c'est à cause de vous, vos comportements. Regarde, monsieur Honoré, lève-toi. Au moment où tu venais à Patmos, tu avais un grand problème, c'est lequel? Un problème de travail. Oui, en gros, un problème de travail. Quand tu es venu, tu as fait combien de temps et puis Dieu t'a donné du travail? J'ai fait à peu près 2 mois et demi. Tu as fait 2 mois et demi. 2 mois et demi. Et puis, il y a combien d'opportunités qui se sont présentées à toi? Le Seigneur avait dit que pour quelqu'un qui a été à l'école, lui donner un travail, ça paraît, les gens diront, mais c'est normal. Donc, je vais te donner beaucoup. Et lorsqu'il a décidé de donner, effectivement, dans la même semaine, on m'a appelé dans 8 entreprises. Là, il s'agissait maintenant de regarder dedans et puis de choisir. C'est versé. Les 8 entreprises là, il a choisi 1, il reste 7. 7 là, on peut vous donner ça. Il reste encore 7 entreprises qui sont là. Donc, les 7 entreprises là, je vais vous mettre là-bas. Ou bien, Ah, donc ça veut dire que ce n'est pas travail hein, qui manque à votre Dieu. Amen. Non. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'au moment où lui il est venu, il y a d'autres aussi qui sont venus pour le problème de travail que Dieu a résolu, qui sont partis pleins.
Mais Dieu, quand il fait pour vous, c'est pourquoi vous puissiez venir le servir. Mais s'il fait pour vous que vous partez, il fait pour vous, Dieu dit, ah bon. Parce que moi, Dieu, quand je viens sur la terre, parce que le comportement des humains là, c'est ça qui fait que moi aussi, je change. Au début, il n'y a pas de problème. Mais quand Dieu leur donne le travail, ils s'en vont. Quand Dieu leur donne, ils disent, d'accord, je vais réfléchir. C'est-à-dire qu'on va tourner autrement. Maintenant, quand j'ai tourné autrement aussi, voilà, vous commencez à souffrir. Vous commencez à souffrir maintenant. Mais néanmoins, moi, Dieu, là, je pense à vous. Amen, non? Amen. Votre pain quotidien, c'est moi, là. Moi, Dieu, là, qui cherche pour vous. Amen, non? Amen. Vous n'allez pas mourir de faim. Croyez au Dieu de Naomi. Vous n'allez pas... Les anges peuvent quitter au ciel là-bas pour vous envoyer à manger chez vous. Moi, Dieu, là, je peux le faire. Mais si je fais ça, c'est quel effort vous avez fait? Au ciel là, on devait vous dire, voilà ceux qui sont quittés dans la grande souffrance. Mais si moi je prends la nourriture pour vous donner là, en quoi je vais dire que vous êtes quittés dans la grande souffrance? Il faudrait que vous souffrez au ciel. Quand on va vous tendre la vie éternelle, vous serez plus que joyeux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mansoura et Tramousso. Des fois, Jésus, oh, crois mon pas, à mon bla, wa, pas mon ti, il va boire, soit mon nom, oh, soumis de amour, tiens d'un clama, pas coulé, boy, il va tout, il est beau, assien, soit, et mi, et anglolo, et co, et mi, si, blême, de ma, y est blême, y'en souviens, Viens-nous à immense sous tes mains. Bien Jésus, oh, y'a fien, wa. À mon sort, il s'en nom. Oh, les. C'est soi. Et y'a un gros lot. Et quoi, et ici. Blême, il est mal, y'a blême, y'en souviens. Viens-nous à immense sous tes mains. Bien Jésus, oh y'a fien wa, à mon sort et sa nom. Pas qu'on l'aille, boy et wa tout y'a beau à sien soua. Et quoi, et messin. Ma soeur est la mousseau. Que lélélé, 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 y'a quoi, y'a quoi, et si y'a mi pli, ici, y'a quoi, mi si lié, ici. On y a qui a mon satinier, qui a ma sienne soi. Au bout de ça, mais quand il y a mes soeurs, on y a qui veut satinier. Ami, qui veut l'aimer Dieu? Ami, qui veut l'aimer Talo Talo? Qui leur pardonne leurs péchés? Vous-même qui êtes dans les autres églises, qui vous pardonne leurs péchés? Vous ne savez pas ce qu'on appelle la confession. Vous êtes dans les péchés, vous ne vous confessez pas, et c'est vous qui dites que vous partez au ciel. Et quand on demande, qui sait que si le monde finit, il va aller au ciel? Eux tous lèvent le bras. Dimanche là. Alors que la personne même sait qu'elle est quittée dans l'affaire d'adultère, il est rentré dans l'église. Toi-même, tu sais que tu n'as pas dormi à la maison. Tu allais te promener. Tu allais dans les boîtes de nuit. Tu allais partout. Où un chrétien ne doit pas aller là. Tu es parti là-bas, tu rentres dimanche à l'église. Tu allais samedi, tu es venu. Tu vas à l'église dimanche. On dit, qui sait que si le monde finit, il va voir la vie éternelle. C'est toi, tu lèves ton doigt. Ya! Tu as foutaise. C'est-à-dire que tu te fous de Dieu lui-même. Mais non, ce n'est pas de Dieu. Tu te fous de toi. Parce que Dieu, les gens pensent que Dieu est serré des humains. Non! Abraham est là-bas. Moïse, Jacob, Noé, ils sont tous là-bas. Il y a des gens qui ont suivi Dieu, qui ont servi Dieu, qui ont eu la vie éternelle. Les apôtres, ils ont annoncé la bonne nouvelle à des personnes qui ont cru à Christ. Et ils ont été sauvés. Ils sont là-bas, ils attendent des milliers de personnes qui ont eu la vie éternelle, qui sont là-bas. Est-ce que Dieu, s'il veut te contenter de ça, ils sont fous. Mais il faut que Dieu anéantisse le monde là, qu'il a créé.
et avant d'anéantir, Dieu a ses trésors. Mais son trésor sur la terre. Et le trésor de Dieu, c'est ce que lui-même il a créé avec ses deux mains. Il a souffert. Ce trésor-là, c'est vous qui avez, qui possédez au moins une âme. Et avant de détruire le monde, il faudrait que tous ceux-là, Dieu puisse les prendre, les amener à lui. C'est sur la terre ici, je vais pardonner tous vos péchés. Je suis là pour ça. Je dis, apportez-moi vos péchés, je vais supporter. Vous serez blanc comme neige. Voilà pourquoi je dis, allez-y vous confesser un peu partout. Quand vous venez, confessez-vous, je vous pardonne. Je vous pardonne. Ne laissez pas les péchés dans vos sacs pourris. Non, ça détruit l'âme. Arrêtez. Confessez-vous. Vous êtes des humains. Quand vous marchez, vous pouvez trébucher. Mais sachez vous relever. Ne perdez pas votre temps à toujours trébucher. Parce que si tu ne fais pas attention, puisque tu ne sais pas quand le monde va finir, tu ne sais pas. Tu vas trébucher au moment où le monde là va finir et tu vas rester. Tu n'auras même pas le temps de demander pardon à Dieu. Et ça va se surprendre. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Dieu est là. Vous l'avez accepté. Révisez vos comportements. Attrapez bien Dieu. Regardez sa face et marchez. En cela, Dieu va vous appeler mes enfants. Et sachez, dit à Dieu, Père, parce que vous êtes digne. Fils du Dieu de Naomi. Que Dieu vous bénisse. Mansoura et Tramoussou. M'envoici les Otramoussou. Mam Mansoura et Tramoussou. Yamé Serefoua Makoto. Mansoura et Tramoussou. Prédicateur. Mamé Oramoussou. Mam Mansoura et Tramoussou. Conseil. Conseiller. Yamé Pli Ora Amoungouan. Maya Soua Mansoura et Tramoukoua Moussou. Mablamou. Yamé Pli. Moti Bending Bli. Mon aura musu sa pou am si Christi domaine non Dieu te fouamou am gam ki sa manzino am gam am bo piano am to Dieu mon sura le tram kola musu am si Christi domaine non am djuma kola am ba mo pat mo sum vlin mo am dile ma ti vire le nyam mi pri mo ti anya akru ye fou en o fe nu le ki o mam Christi domaine non nam sa sa o kangbe single ki vire le ma be fe nu le ki mam di ki mo fle ke anangam gwan nam liye sa mo te pat mo sum vle o te pat mo ba ne liye sa o to fouin Christi domaine non ma tinga bon ya mi ga injo klamu ye un fa na o mi ko ma un ra pe am klamu su am si Christi domaine non na mu kun sa si mu sa omri tinga ni ananga man kwai se mi ga o ye mi ma ye mi ga o ye mi tinga mu ye wa mu afie ken ko ma fa mu kla Christi domaine non ma so la tra muso ma mo si le o tra amuso ye mi de o ye kon de o Yé de fouet, yé mien Jésus. Yé serait ok, araïsou. Oni, wawe, sanisi, alléluia. Raïsou, raïsou. Raïsou, raïsou. Yé mien de ha, yé konde ho. Il y a des fouets, il y a mien Jésus. Il y a serait ok, araïsou. Oni, wawe, san ici, alléluia. Raïsou. Ma soeur est tramoussou. Oh, c'est un dé Dieu, moi, tous les titans, quand t'as ça nous a. Amour, mais ça. O ti tanka hein. Hein? Na ramusu ti o. Ma ramusu kan o ti aso. Hein? Yo am sere yami am mami na minne yo fe kan. Sezi. Bla sere yami mami kan. Ni aso akuto. Sana kuma o baba o ya sere yami mo sana mo asere vi mami. Hein? Na presque até mo bi asere. Na bo bon a ole na sere o. Parce que amon sereyam yam am serema mi kira ne o par exemple on va ti mo kira awa sereso ya asereyam yam am mi agwebuse agwebuse ah aso sa ke me Christ tu manu mo iso de afi me Christ bo nga mo e ole aske me Christ tu manu mo iso aske mi enwe
Mansoura et Tramoso, et à Ekan et Koumenia. Ramosouka, Mansoura et Tramoso. Mansoura et Trambi Janson, sous Christi Dumaino. Pat Mansoura, ma croix, Mansoura et Tramou, Kramou, sous Christi Dumaino. N'y a mien pli, n'y a amou, n'y a mouyamou sibo. N'y a namou, on dit n'y a mien. N'y a pas de clé, n'y a mien, on dit. N'y a mou, on dit. N'y a amou, kaboua, tunga, nous la. N'y a mien pli, a couloué, fouet, amou, on tient. N'y a l'ikin amou, ma yé, même bon, oui. Nga mon tia mon fle tout mien nga ba mon fa nga ba mon yoye ki ko adu sambe sou tie kon so de nga mon fe ki sambe a fe am san nga mon fe ki sambe a bia tio ke ma tia son so kon ken sa non nga tia e to ko adu ke ma ran me bo no te ma fite mo ma ti mi won se donc a son ti la. C'est un peu comme ça. 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 C'est un peu comme pokunya mi wa bo ngwa munui o wa pe won munu sa ti nya ke kole wa ju nya am sika mo akobo am siso nya ka ba o le sa nya nya mi wa bo won sa o pe won sa ti o pe won sa ti o pe won sa ti ke ba o le sa ti jiran wa ke kole mo ju sa pa nya se kole ju ke kole mo ju sa mo se nya. C'est ma femme à Onyo. Il croit pas. Il n'y a bien souffert, il a dit ah bon? Il vient dire, comme il dit, à quoi il se voit? Il a dit, c'est Colin Jouy. C'est Allah Bensoui. Ania, il y a un bon mot sur Bli. Oh, Bli. C'est sûr, il y a mon mot. Il y a un bon mot, Bli. Oh, nous, Asike, Yoliki, oh, nous. Ben, amour, Fabi, bébé, moi, il Asike, Liki, oh, nous. Il y a un mot, les vidéos, Bli. Asantike, Liki, oh, non, Asiso, Liki, oh, nous. Il y a un peu de femme, les gens, on va faire un peu de oyu dan oyu dan pe ko fo bo ngulele o wa kun dan ale o fa to ko fo ngulele sin na kaole ni ge nga be o wule mu a bito won like kun bito a won be wule faso kun a won be wule kun me so yi o ne o yi ngale a won wule pa ke ki sa o ko fo bo ngulele mbo o ka so akọ na ke ri ki amọ akọ le a o sa pe kun yo asuko asigeli asuko ya ni ali kan bo nu sa. Annalo États-Unis alors au revoir et à son soi au revoir bobi soi au revoir non non cha ko to fo bon gole sa papa cha tout ma colle o yinga enu siwa non c'est fini o fo bon gole le o ti bon gole sa papa o viri cha colle sa bo yo le so won le o won le o ti on desu. Akla koko me o yo anvo so tu kwa vie boy o yo anvo tenmanu ti o du kole ki o fo o ngulele mawole se bo lo no o se ka ngulele ya fae se bo lo ne ibo so o yi o nsu si akeli o ngulele sai ye mi wa wa fa o bo ba si ka ngulele wa fa o yi nu ma wa ku o yi ta ma si so wa o yi wo lo ti kole ko ju yi o ku wa mo su ale asuko ani o si wa ku e. Tu as pépé, Kungao. Aoli. Yo, nia. Pat, moi, moi. O ti soua, kebe, biga mo bisou, wuman bi, mwan bi, mba, tout bisou. Yo, iti nye me wai mwa mounou nyo. Nga mba sonou. Mwe, dike fa, mwa amwe sa. Mwen dike se komian. Se komian yifon la ba. Ah, komian, hein. Komian. D'accord. On accepte tout. Mais nous, notre komian la. A la fin du monde la. Faut pas avoir aussi. Toi, tu dis que c'est combien là?
Il faut rester dans pour toi là. Maintenant, quand le monde va finir, tous ceux qui ont esprit de communion d'appartement, ça, quand ils vont partir là, toi aussi, tu vas rester ici. L'esprit de Dieu qui est bon là va venir te chercher. Mais moi, je vous dis, l'esprit de Dieu qui doit venir chercher les enfants de Dieu là, c'est cet esprit là qui est là actuellement. Amen. Oh. Et c'est cet esprit là qui vous utilise. Quand vous venez à l'église et puis vous tournez, les étrangers, quand vous voyez les gens tourner dans l'église là, ça, vous ne voulez pas que ça vous fasse peur. Ça, on appelle ça l'esprit de Dieu se manifeste. Si moi je veux que ça vous utilise, ça va vous utiliser. Et puis si je veux que vous criez comme ça, vous allez le faire. Ça c'est petit, c'est un petit truc. Si vous prenez net, vous faites ça. Ils disent que c'est quel lion qui est là-bas là. Ah, attendez un peu. Que Dieu bénisse. Mansour et Tramosso. M'en voici les Tramosso. Yeminde, ye konde, ye defoué, ye mien Jésus. Ye sere oke araisu. Oni wawe sanisi, alléluia. Raisu. Jésus, ora Jésus, yeminde a ye konde o, ye de fwe ye ngwama fwe, ye sre oke awara Jésus, oni wawe sanisi, alleluia, ora Jésus, ora Jésus. Jésus, sora Jésus. Ye minde wa, ye konde wa. Ye de fwe, ye mien Jésus Christ. Ye sre oke ara Jésus. Oni wa we sani si, alléluia. Ra Jésus, ra Jésus, ra Jésus. Ra Jesu ora Jesu sre o ye minde a ye konde o ye de fwe ye gwa ma fwe ye sre o ke ara Jesu oni wa we sani si alleluia ra Jesu ra Jesu ra Jesu ye mie Jesu. I saw, I saw, Raiso,
Alléluia. Raesu, 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 Yesu seo. Yeminde o, ye konde o. Ye te fwe, ye mien jese. Ye sera ke a Raesu. Oni wa wesa nisi. Alléluia. Raesu, 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 ye mien jese. Raesu, 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 Yesu seo. Ye minde o, ye konde o. Ye te fwe, ye kwa ma fwe. Ye sre o ke a Raesu. Oni wa we, sani si, alleluia. Raesu, 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 ye mie Jezi. Raesu, 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 Yesu se o. Ye minde o. Ye konde wa, ye te fwe, ye kwa ma fwe, ye sre oke Raesu. Oni wa we sani si, alleluia. Raesu, 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 ye mie Jezi. Raesu, Raesu, Raesu. Mansoura et Tramoussou. Mansoura et Tramoussou. Mansoura et Tramoussou. Mansoura et Tramoussou. Patmos. Mansoura et Tramoussou. Am la finia miensou. Am la finia miensou. M'envoie-t-il au Tramoussou. M'transiquant, oui. Mansoura et Tramoussou. M'entalou, comment fait, comment transiquant. Oh, tiens, am ken fe ali eh mansura et tramuso mamu nsre sibo nya misuroi ke osi amu anvoe nsre sik mo nya misuroi ke onu amu anvoe naomi ferengo wa fe asien swa lele. Bekang abe bibuli na umilike. Bekang abe soli na umino. Bekang abe nani na umilika. Isofwe mwe. Nisi. Mwa orla kpembe kwa abe su krisi dumano. Nisi. Mwa orla kpembe kwa abe su krisi dumano. Mintio, mipontio waba kungale keleke asinga suwae. Et tu as et tu as sang. Mien quand tu as ainsi, y a qui? Y a qui? Y a qui? Mien. Cross line. Qu'est-ce que tu as dit? C'est un an à Colossal, ben Zwinti. Baba. A ce soir, bébé fille. Naomi, ça y a fait ça, yon, ben mien. Et y a qui? Envoie à ma sille, Naomi. Mais ça envoie rien, autre mamie, ça. Envoie à ma sœur Naomi. Mais ils sont envoyés en Kataïma, mais ils sont envoyés. Il y a qui s'est envoyé en Tchébé. Nous nous sommes envoyés en Tchébé. Afin, il y a un peu de Naomi. Na be kawa na be timu sa mri na kun foli senga ma be ka kwa kwa be katunu na chenga ni na omi ekoy ma be kwa be suesu nsi
ainsi mortique en voici fouet. Oh, demande moi Issa. Moi Issa. Pat moi son vle. Mansoura et transou. Ma ya qui am laisse. Ils sont ici. Mansoura l'engo fin gloloy. Bon fin si bon tinga me o nya me soulo. Mo tinga me soulo sana. Bon na se soali ke. Soura l'engo fin nya me soulo. Mo o tramousou. O kamousa nou titi. Lele fa tu me il fa kole tien. Chris. Bo o ou li tien ni. Bo bi abouel ke vie fi. Bo ka ise ya ou na ou misanou ye. Bo liye wa misanou ye. Idman mo iso.